Bonjour, je suis Véronique et je vais vous présenter le tuto du bonhomme de neige très pratique. Je vais prendre une conserve. Il me faut également de la laine. Voilà, de la laine ou de la ficelle. C'est comme vous voulez. Je vais prendre également le curcou. Avec le fil de fer, ça s'appelle le curcube. Et donc, je vais commencer par coller le curcube sur ma boîte. On met la colle sur le niveau. Fixer sur la boîte. Et la colle. Et je vais recouvrir ma boîte de ficelle ou de laine. Moi, en l'occurrence, j'ai pris de la laine. De la laine et je vais faire un premier tour de ma boîte et comme vous pouvez le voir je maintiens le bout de ma laine pour pouvoir parce que là je n'utilise pas de colle pour le départ, je coince juste le bout là sur mon tour de laine. Et nous allons faire ça sur toute la longueur de la boîte. Voilà, il va falloir s'armer un petit peu de patience pour faire tout le tour. Alors si vous prenez de la laine plus épaisse, bien sûr, ça ira plus vite. Elle sera plus vite recouverte. Également utiliser de la colle pour pouvoir fixer. Maintenant, nous allons pouvoir lui donner un petit air assez rigolo en rajoutant les yeux, le nez et puis une petite décoration sur la fin. Pour les yeux, vous pouvez utiliser soit des yeux déjà faits, soit utiliser du papier ou dessiner deux yeux. Moi, je les ai dessinés sur autocollante et on va pouvoir mettre
Maintenant, on va lui rajouter sa carotte. On a un vrai bonhomme de neige. Pour cela, vous utilisez donc du papier et vous dessinez une carotte. Moi, je prends la carotte que j'ai déjà dessinée et je vais la coller. Et pour terminer, je vais lui rajouter deux petits boutons pour la décoration de son vêtement. Vous pouvez également utiliser des perles si vous voulez. L'avantage des boutons, c'est qu'ils sont plats. Ce sera plus facile. Vous pouvez également utiliser des graines si vous voulez. Après, libre à vous de choisir la décoration que vous voulez. Et voilà, nous avons terminé notre petit bonhomme de neige. Et vous voyez, vous pouvez y déposer les crayons. Voilà. Mais j'allais oublier. Il lui manque quelque chose. On va lui rajouter, pour faire le casque, deux petits pompons. Ce sera plus rigolo. Je vais coller. Les deux pompons au niveau de mon surplis. Alors là, également, il faut mettre pas mal de colle, sinon il ne tient pas. Et voilà, une lunette mieux comme ça. Voilà,